Alors, je ne viens pas d'une famille de musiciens, mais mes parents, pendant la guerre, ont eu beaucoup à faire avec l'armée américaine. Et l'armée américaine, il y avait des orchestres qui jouaient beaucoup dans les bals et pour les militaires. Et mon père m'a toujours dit qu'il avait vu l'orchestre de Glenn Miller jouer pour lui en 1944. Et donc, il y avait chez mes parents un amour immodéré de la musique américaine. Alors, je peux être fier du fait que j'ai vécu là-bas sans filet, aucun, pendant 20 ans. Et c'est très difficile. Mais autour des années 90, ça faisait à peu près 8 ans que j'étais sur place, les choses ont commencé à bien fonctionner pour moi et j'ai commencé à jouer avec des grands noms. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que je peux être fier du fait que j'ai été admis dans un cercle assez fermé par les Américains, de musiciens qui jouaient leur musique américaine, comme un Américain. Un rapport assez proche, probablement pas assez proche pour les grands puristes, et probablement trop proche pour les gens qui regardent la tradition du jazz comme quelque chose d'extérieur. Eh bien, mes grands maîtres, que ce soit Tatum ou Hank Jones ou Tommy Flanagan ou Herbie Hancock, mes grands maîtres sont des grands maîtres de la tradition du jazz américain. Et ce sont eux qui m'ont donné envie de faire de la musique. Et une chose importante, c'est que je ne suis pas un pianiste classique au vrai sens du terme. Je n'ai pas étudié le classique, et surtout pas en France. J'ai commencé à jouer du classique lorsque j'avais plus de 20 ans aux États-Unis. Donc, je suis plus ou moins un pianiste autodidacte. Je dirais avec toutes nos préférences pour tel style ou un style, au moment de se former son style à soi, je dirais que d'une façon plutôt simple, essayer de simplifier la réponse, c'est d'accentuer ce qu'on aime dans son jeu le plus possible. Et évidemment, de ne pas montrer ce qu'on aime le moins, mais surtout d'accentuer ce qu'on aime le plus de sa façon de jouer. Comme si on faisait une liste de toutes les choses qui marchent bien, et bien c'est là-dessus qu'on doit jouer. Alors, il y a plusieurs choses que ça apporte. La première, c'est que c'est un son qui est très différent par rapport à mes compositions. Et ce son, il est souvent connu par le public d'une certaine façon. Lorsque j'ai enregistré un disque qui s'appelle Summer Times, j'ai enregistré trois morceaux de Gershwin. C'est évident que ces morceaux, ils sont plus connus que mes propres compositions. Et ça rend tout de suite une atmosphère différente. D'abord, j'aimerais dire à quel point j'ai aimé aller en Guadeloupe et à quel point j'ai aimé me promener à Pointe-à-Pitre et écouter les tambours le samedi matin. Et franchement, je trouve que c'est un endroit vraiment spécial. J'ai retrouvé un petit peu du même esprit qu'on retrouve
aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas forcément accueilli d'une façon fausse, comme on peut l'être dans d'autres endroits. On sent que les gens nous regardent, nous observent, se demandent si on les aime, si ils nous aiment, et puis quand ils nous aiment, c'est vraiment formidable. Je te le dis sincèrement. J'ai certainement trouvé une analogie incroyable avec la fois où j'étais au Brésil et où, en tournée avec Jerry Mulligan, où nous sommes retrouvés dans cette école de samba qui s'appelle l'école de Mangueira, où il y a une centaine de percussionnistes sur scène. Là, il y avait 10 ou 15 gokas. Mais la force, le côté rythmique incroyable que, en tant que Parisien maintenant, moi je ne connaissais pas du tout. J'ai abordé cette rencontre comme toutes les rencontres. On a eu le privilège de répéter ici, d'ailleurs, une fois. Donc, on est arrivé, on savait ce qu'on allait jouer. Zachary et Arnaud, ce sont des musiciens qui sont jeunes, mais qui ont beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Et c'était très facile, en fait, de jouer avec eux, de très bons musiciens, de très haut niveau. C'était que du plaisir. Oui, alors, ça fait partie de ces gens qui sont surdoués, qui jouent très très bien le jazz cubain, très très bien, et qui aussi est un excellent percussionniste. C'était remarquable à quel point après l'avoir entendu aux percussions, j'ai pensé qu'il était peut-être même meilleur percussionniste. C'était vraiment d'un très haut niveau. Et c'est un très très jeune musicien qui... qui je vois une grande carrière s'il arrive à se faire connaître et surtout à connaître d'autres cultures et d'autres musiques. Alors, c'était une personne qui connaissait très bien la musique, qui m'a expliqué plein de choses sur la musique traditionnelle cubaine, comment elle s'est développée à partir de l'esclavage, de la colonisation et comment ça s'est développé au contact des Européens. Pareil, là, j'aurais pu y rester pendant 3 mois juste à essayer de comprendre. Et elle, c'est une grande pro, elle avait un grand talent sur le peu de morceaux qu'on connaissait en commun. Heureusement, moi, j'ai fait beaucoup de balles dans ma vie passée dans plusieurs continents, donc je connaissais quelques morceaux. On a pu facilement travailler sur de la musique, pas toujours cubaine, mais des fois mexicaine aussi. Et ça a été très facile, comme c'est très facile souvent de travailler avec des grands pros. Il représente beaucoup de choses. D'abord, il représente un authentique jazzman des Amériques. Hein? C'est-à-dire qu'on sent très bien que Alain a une connaissance de la tradition énorme. Il est très à l'aise sur le blues, sur les standards. Et il est extraordinaire sur sa propre musique, dans ses disques de Begin. Et non seulement musicalement, mais aussi humainement, c'est une personne de grande classe, que j'adore être avec lui et lui poser des questions. Et chaque fois, je bois ses paroles. Je pense que ces endroits sont vraiment des réserves très fortes de musiciens. Et, principalement, probablement parce qu'ils n'ont pas la même culture qu'en France métropolitaine et ils n'ont pas la même approche. Et on aimerait connaître et y aller plus souvent. Et je pense que les rencontres ont tout à nous apporter.
fait, commencer à improviser avec juste le minimum de notes, on va dire deux notes par mesure. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti du minimum, le thème, deux notes par mesure, trois notes par mesure, quatre notes par mesure, six notes par mesure, huit notes par mesure, on va dire des triolets, donc 12 notes par mesure, et arriver à des doubles croches, 16 notes par mesure. Ça permet de surtout de ne pas tout donner dès le début, ce qui est l'un des grands problèmes qu'ont les musiciens qui sont un peu novices, et de faire que le discours petit à petit prenne de la pesanteur.